Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tout le monde va bien, inchallah. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, une nouvelle sortie éducative avec les enfants. Aujourd'hui, on est parti où? On est parti au musée McCord, au centre-ville de Montréal. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais chaque premier dimanche du mois, l'entrée à certains musées est gratuite à Montréal. Donc, on a en profité de l'occasion et on est parti visiter le musée McCord. Ce musée qui s'est donné comme mission d'être un gardien du patrimoine et un milieu de recherche et d'enseignement consacré à la préservation, l'étude, le rayonnement et la connaissance de l'histoire canadienne. Voilà, on commence notre visite, Inch'Allah. Comme c'était un dimanche, donc il y avait quand même du monde. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants. J'ai remarqué que les visiteurs étaient principalement des adultes. Mes enfants ont beaucoup apprécié parce que c'est un musée d'histoire. C'est un musée qui raconte l'histoire canadienne. Le musée est situé sur un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par les peuples autochtones. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'expositions et beaucoup de posts sur la culture autochtone et comment contribuer à une meilleure connaissance à cette culture. Il y avait beaucoup de matériel à manipuler, aussi beaucoup de projections où le peuple autochtone parlait de leur propre expérience ou racontait l'histoire de ce que le peuple a vécu. Dans plusieurs langues, il y avait toujours des traductions en bas. Pour voir le deuxième étage. Okay.
Là, on est rendu au deuxième étage. Dans cet étage, les expositions sont temporaires, ça veut dire qu'elles changent continuellement, tandis que les expositions au premier étage sont permanentes, donc elles seront toujours là. Ce qu'on a trouvé, nous, c'était une exposition qui s'appelle Parachute. En fait, c'est une marque de vêtements des années 70. Ça nous montre un peu le code vestimentaire, les tenues qui ont été portées par les adultes, hommes et femmes, et les enfants aussi, pendant cette période-là. Voilà, on arrive à la fin de notre sortie. J'espère que vous avez aimé. On vous dit jazakallah khayran, merci de nous avoir suivis. Puis attendez-nous dans des prochaines vidéos, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.